Comment est la culture ivoirienne? Nous sommes un peuple qui est d'abord très hospitalier. On aime les gens, on aime les étrangers. Et puis, on aime les bonnes choses, les belles choses. On aime bien manger. L'Ivoirien, il aime bien manger. Il aime la bonne musique. Comment vous habillez-vous au Canada? L'habit que j'ai porté maintenant, c'est un habit qui est un peu ample. Parce qu'il fait plus froid. Donc, je reçois de l'air de part d'autre. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de porter chez nous. Mais ici, je suis obligée de m'habiller comme tout le monde, surtout quand il fait froid. Quelle tradition avez-vous gardée de votre culture ivoirienne? Moi, j'aide beaucoup les gens qui ont besoin de moi. Et puis, j'aime partager. On embrasse tout le monde. On partage, on aide. Pourquoi est la tortue importante pour vous? Ah, la tortue! Oh, mes arrière-arrière-parents m'ont dit que la tortue était leur génie. La tortue les a sauvés de situations catastrophiques. Et c'est pour cela que je vénérais moi aussi la tortue. C'est vrai que je vais à l'église, je suis croyante, mais je n'oublie pas mes racines. Ça, c'est très important pour moi. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la vie? J'ai deux enfants qui m'aiment, qui me respectent et que j'adore. Quel est votre moment le plus joyeux? Et quand j'aide quelqu'un, et puis ce quelqu'un la reconnaît, je suis vraiment comblée. Je le fais avec amour, sans attendre quoi que ce soit de cette personne-là. Oh, les Canadiens, c'est un peuple adorable. Ils sont très hospitaliers. Ils ont vraiment le temps d'autrui, très poli. Parce que moi, j'ai beaucoup voyagé avant d'arriver au Canada. J'ai fait l'Europe, j'ai fait beaucoup de pays africains. Mais le Canada, pour moi, c'est le premier pays au monde où il fait bon vivre. J'adore le Canada et les Canadiens.